Voilà, bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'exploration de bunker, comme vous l'avez vu. Alors, dans cette vidéo, il y aura 5 bunkers. Enfin, 4, pardon. Déjà celui-là. Et les 3 autres qu'on voit là-bas, on ira les voir après. Enfin, je crois qu'il y en a un 5ème, mais il est derrière. Enfin bon, on va d'abord faire celui-là. Et donc, pour vous situer, alors je suis juste perdu en plein milieu de la Bretagne. Voilà, je vais pas trop dire vraiment où je suis. Enfin bon, bref, parce que je vais en vacances en Bretagne chaque année. Donc j'en profite pour voir des bunkers. Je vous raconterai l'histoire après. Voilà, on peut d'abord voir que ça a été muré. Alors je sais que sur ces bunkers là, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas quelques-uns, il y avait des canons. Des canons 88 mm, et en fait ici, voilà, normalement il devait y avoir un canon ici et devait tirer par là-bas. Et donc du coup les deux petites salles devaient servir soit pour aux soldats de se reposer ou alors pour entreposer les obus. Je crois que ça ici c'est pour entreposer les obus. Enfin bon, voilà, vous pouvez voir la belle bâtisse avec le canon qui est à l'intérieur ici. Sûrement un canon 88. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est ces trucs là, ces trous. Si vous y connaissez, dites-le encore une fois dans les commentaires. Parce que j'essaye de me renseigner, mais là je l'ai fait un peu, c'est un peu à l'improviste. Voilà, nous pouvons voir ici un tube pour laisser passer l'air. Donc là ici ça devait être un local où les soldats devaient s'occuper. Voilà le deuxième bunker. Voilà. Ah, on peut voir, c'est le même que celui juste là-bas. Sauf que là, il semble bien qu'il ait été reconverti en habitation. Voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose, moi je vois rien. Ah si, c'est bon. Ouais, y a plein de bordel. Je crois que ça sert de garage. C'est dommage, on peut pas trop y aller. Encore une fois, on peut voir la cheminée là, au-dessus. Voilà, l'avant, où il était censé y avoir un canon qui devait tirer dans les environs ici. Je sais pas si j'y entre ou pas, parce que c'est un peu chiant, il y a le serpent qui fait chier. Je vais voir si on peut bouger ça. Ah non, c'est bien fixé. Voilà, on passe au troisième bunker. Toujours des traces comme ça là. On a l'impression que quelqu'un a enfoncé des briques dedans, je sais pas pourquoi. Ah ouais, cool. Enfin, moi personnellement j'habiterai pas là-dedans, même si ça doit être bien isolé. Ça s'ouvre que de l'intérieur, il doit y avoir un cadenas ici. Alors voyons voir ce que nous avons là. Encore un truc qui sert de vieux garage, de grenier, j'en sais rien. Regardez les belles fleurs. Quoi, ça c'est des orchidées sauvages, je sais pas. Encore le trou d'aération qui est bouché par un sac. Ah oui, je vois, c'est fermé. Bah juste des briques de, on peut voir de la lumière aussi. Alors encore une fois des petits, des espèces d'engrenages. C'est quoi ce truc? Ah, ça tourne plus, bizarrement. Ah ouais, ce truc sert de garage. Regardez tout le lierre qu'elle a pour camoufler. Ah mais celui-là il a été démoli. Clairement il manque une partie. Ouais, je vais rentrer alors. Voir une très vieille remorque de fermier tout rouillé et de l'eau qui coule. Oui. Alors oui, on peut voir que le truc il a dû se manger quelques obus ou peut-être quelques bâtons de dynamite, j'en sais rien.
Ouais, lui, il a été complètement détruit. Il a dû se prendre quelques trucs. Voilà, on peut voir aussi tous les impacts que le bunker s'est mangé. Genre, vraiment, il s'est pris quelque chose dans la gueule, lui. Toi, les autres, ils ont rien. Mais lui, c'est le plus délabré de tous. Regardez, il y a de la terre dessus pour peut-être pas qu'il s'écroule, moi, je sais pas. Donc, il y a du lierre partout. Enfin, du lierre, des plantes grimpantes. Et on peut voir derrière qu'il y a des bouts de béton qui ressortent comme ça ici là. Enfin bon voilà, et je viens d'apprendre aussi qu'il y a trois autres bunkers qui partent là je crois bien, que je vais aller visiter tout de suite et je vous donne rendez-vous là-bas. Voilà, j'ai atteint les quatre autres bunkers. Donc il y en a un là-bas et les trois autres ils sont là-bas. Ils sont juste derrière une maison, ils sont vraiment bien alignés. Les bunkers que je viens de faire juste avant sont... je saurais pas dire, mais ils sont plus ou moins là-bas, quoi. Voilà. Et il y en avait que 4 en fait. Il y en avait pas 5. On peut voir, c'est le même type de bunker. Sauf que là, il est un peu. Putain, quoi. Il y a des vieilles machines. Heureusement, j'ai pris ma fidèle lampe. Ah, donc ça, c'est une vieille machine. Ça, c'est un vieux truc. Et. Oh, il y a un petit peu de déchets. Ici, le truc pour ranger les obus, la petite salle pour les soldats, et l'endroit où il y avait le canon, toujours. Non mais c'est intéressant, on peut voir des vieux trucs qui étaient encore tirés par des bœufs. Alors pourquoi est-ce que je trouve ça dans un bunker? Ne me le demandez pas. Ah, on peut voir, ça a peut-être cramé ici, puisqu'il y a du bois, il est tout allumé. Un rouleau. Pourquoi faire, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce truc a brûlé de l'intérieur, parce que toutes les planches de bois qui sont au mur sont toutes calcinées. Ça a dû être peint par après. Parce qu'à la base, tous les bunkers, ils étaient peints. Hein. C'est juste que la peinture est partie avec le temps. Là, on peut voir, il a dû se manger quelques trucs aussi. On a essayé de le casser. Donc voilà, on a quelques machines. Ça, je crois que c'est le reste d'un siège. Donc les gens, ils devaient s'asseoir là. Voilà, je suis devant le deuxième bunker. Enfin, c'est censé être le septième, je dirais. Toujours en plein milieu d'un champ de colza, ouais, parce que sinon, c'est pas marrant. Bien que je galère. Il a été muré, là, non? Wow. Alors, l'entrée, elle est juste là, mais c'est pas très accessible. Du coup, voilà. Attendez, juste avant, on peut voir les deux derniers là, les deux derniers de cette série. Après, j'irai en voir une troisième. J'ai vu qu'il y avait aussi un autre bunker qui était à part, tout seul sur la côte. Parce que là, ici, on est plus à l'intérieur des terres. Sinon, si on fait quelques kilomètres, enfin, je sais pas trop. Enfin, bon, si on fait quelques kilomètres, on est à la mer, donc. Voilà. On peut voir que ça fuit et il y a des grosses. Stalactite, regardez, c'est beau, n'est-ce pas? Ah, là il y a eu des tags, il a été en partie effacé. Ah, lui aussi il s'est pris quelques trucs, on a essayé de le combler de plein de trucs. Pourquoi une vieille roue d'un vieil engin de fermier? Ici il y a carrément le mur de là-bas qui est complètement pété. Voilà, encore une fois le. Ah, c'est marrant, il y a de l'herbe qui a poussé dans les trous. Alors celui-là, c'est pas vraiment le même, j'ai l'impression. Là aussi, il s'est mangé un obus. Alors. Ouais, parce qu'en fait, juste là, il y a une habitation, le bunker, il est juste derrière. Ah oui, là, on peut voir que c'est fissuré. Lui aussi, il a dû prendre cher. Ah. Oh. Joli, lui il est plus grand, j'ai l'impression. On va voir ça de suite. C'est quand même pas... Voilà, on peut voir, il y avait de la tôle accrochée au toit, je sais pas pourquoi. Là aussi. Là ici, il y a un truc qui a dû sauter ici, c'est pour ça que les murs sont... Bam, comme ça, sont éclatés. Ils ont dû essayer de... Ouais, une bouteille. C'est un truc en verre. Là aussi. J'ai dû déposer une charge contre le sol comme ça et ça a explosé. Encore ici l'endroit où il y avait le canon.
que voir les grands trucs en béton armé. Bon là jusqu'à présent c'est un peu tous les mêmes, hein. c'était des bunkers qui abritaient les canons 88 mm. Canons très puissants bien sûr. Voilà, on peut voir le reste du bunker. Voilà, je suis au troisième bunker. Troisième, putain, j'en ai fait tellement que j'arrive même plus à compter. Voilà, faut pas que je me fasse repérer parce qu'il y a une maison juste derrière et je crois que les gens viennent de rentrer. Et ce serait un peu bête de se faire engueuler dans le but de d'instruire les gens, disons. Quoi ? Un cadre de vélo. Déjà ça commence bien, il y a un bout de vélo. Je sais pas pourquoi il est accroché là. Déjà ce bunker semble assez complet. Ah oui. Je sais pas, c'est peut-être les gens derrière qui m'ont fait taper leur crasse ici. Et un caddie pour enfants. Encore un vélo. Il y a encore des bouts de vélo là-bas, une brouette, des membres. Nous avons ceci, je crois que c'est une bonbonne de gaz qui a été mise au feu. Regardez tous les petits trous, c'est des éclats d'obus, de bouts de bunker qui sont rentrés dans le métal. C'est pas mal. Intéressant. Ça va. Et ici encore des bouts de ferraille. Alors voilà, je suis plus du tout au même endroit. Donc je vais récapituler parce que je me suis un peu embrouillé dans les chiffres. J'ai visité 8 bunkers jusqu'à 8 blockhouse jusqu'à maintenant. Et là il m'en reste 3. Donc il y en a un là, celui-là, mais sauf que là j'ai vu que c'était pas du tout les mêmes que ceux que je viens de faire. Là j'ai vu qu'il y avait des maisons, vraiment des tunnels. Voilà comme ça. On peut voir, c'est très propre, il n'y a pas beaucoup de tags. Voilà. Ah, c'est cool. Je vais d'abord monter dessus. C'est cool. On peut voir des puits d'aération ici. Après, il y a un grillage. Ouais, bon, je sais pas si c'est judicieux de rester dessus parce que j'ai pas envie de me voir. Voilà. Et donc, il y en a juste derrière, mais ils sont vraiment dans les arbres, il y a des barrières et tout. Je sais pas, j'ai vu qu'il y avait une espèce de petit hangar. Et bon, on va garder ça pour plus tard. J'allume. Attendez, je change de nom. Voilà. J'allume ma petite lampe pour voir les escaliers un peu pétés. Oh, c'est cool. C'est bien parce qu'au moins ici, vu que c'est pas la mer, il n'y a pas de sable. Il y a quelqu'un qui a acheté des bouteilles. Donc ici, je sais pas, il y avait peut-être des tireurs qui étaient là en train avec des mitrailleuses en train d'attendre. Pour voir qu'il y avait plein de ressorts. Du coup, moi, c'est pas ensablé comme à la mer. Et il y avait un tuyau qui passait. D'après ce que je vois, c'est dégueulasse. Il y a encore quelques petits déchets. What? Il y a quelqu'un qui habitait ici, en fait. C'est pas possible, il y a plein de vêtements. Ça c'est de la mousse qu'il y avait dans le canapé. C'est pour ça qu'il y a des ressorts et un canapé qui a été démonté ici, ça je peux vous le dire. Ouais, et on peut voir, le plafond il est clairement, il est net, hein. Il n'y a pas une égratignure. Un pic. Un four. Je marche sur de la mousse. Un très vieux four. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, on va se tirer d'ici, c'est un peu dégueu. Nous avons deux entrées et sorties ici, une ici. Et une ici, je crois que je vais prendre celle-là, c'est la mieux. Attendez, je vais voir parce que je trouve ça bizarre, il y a juste un petit bout de grillage ici, tu sais même pas ce qu'il fait. Ouais, enfin bon. Et donc, nous allons voir le bunker juste là. C'était pas des bunkers, c'était pas des canons, quoi. C'était vraiment une espèce de mini QG ici. Là, je suis déjà plus loin des autres que j'ai visité avant. Ouais, cool. Putain, j'aime pas quand c'est sale ici. Il y a moyen de trouver des trucs bien crades ici. Faut voir, c'est pas en blanc. Ah, là, c'est pas le même truc.
Oh, il y a une vieille charbonnière. Un truc genre ultra vieux. Annapurna. Ok. Une valise. Voir la peinture qui s'est un peu effritée. L'armoire. Avec rien dedans. Et ici, il y a quoi? Non, parce que moi. Encore des trucs d'aération. Ouais, il est assez petit, mais pourquoi pas. Il y a quelqu'un qui a installé un évier. Ok, donc là, c'était vraiment le mini QG. On peut voir, c'est pas du tout blindé le truc. Une chaise. Il y avait une porte, mais quelqu'un l'a défoncée. Bon, je peux lui dire merci quelque part, parce que sinon je serais pas rentré à rentrer ici. Alors, revoilà. Les bulkers sont juste là-bas, on peut le voir là, ici. Là, je suis dans une espèce d'endroit où les gens venaient quand même mettre leur caravane de camping. Alors, il y a déjà le bunker là, mais il y a d'abord une espèce de petite tour. Là-bas, je vais voir ça. Ah oui, je sais pas pourquoi une espèce de mini grillage. Ah ouais, il y a des os dedans, c'est dégueu. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez, mais là, attendez, je vais vous montrer avec mon doigt. Ici, là, il y a des os. C'est des os d'animaux. Enfin bon, c'est dégueulasse, là, je sais pas là-dedans. Moi, le mur. On peut voir ici, c'est bien cool, regardez, il y a une petite visière, petit trou pour laisser passer les mitrailleuses. Ici, il devait y avoir un escalier. Là, on a un trou d'aération. C'est bien cool. C'est bien cool. Non. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est une Citroën Traction. Oh, vous savez pas comment je suis heureux. Une Citroën Traction. Si, c'est clairement ça. Waouh, trop bien. Attendez, il y a encore un bunker là. Il y en a un là. Mais c'est quoi ce bordel? J'étais venu ici pour visiter genre 3 bunkers à la base. C'est trop bien. Mais jamais j'ai vu. Il y a un truc qui fait du bruit, je sais pas ce que c'est. Wow, mais c'est trop cool. Attendez, là je suis émerveillé. Je suis émerveillé. Elle est en sale état, mais cool. Moi j'ai toujours trouvé cette voiture cool. Mais ça c'est une belle surprise, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. Là il y a une vieille remorque. Ça c'est pas... Peut-être des bouts de voiture. Non, je crois pas. En tout cas, vraiment classe. Il y a encore un bunker là, mais c'est pas possible. Bon, on reviendra à cette petite voiture. Regardez, il y a encore même la vieille plaque d'immatriculation. Trop cool. Enfin bon, on reviendra à ça plus tard. Alors. Ah. Ben, c'est fermé. Attendez. C'est fermé. Eh oui. Il y a de la végétation partout. Ça s'ouvre. Ah non, c'est fermé de l'intérieur. Il y a un verrou en dessous. Attendez. Ça, j'ai pas vu ça. Là, c'est le bunker que j'ai fait juste avant. Je crois que j'ai fait qu'une partie. C'est pas grave, je reviendrai après. Toujours les trous comme ça. Non, franchement, dites-moi ce que c'est les trous, parce que j'ai jamais vu ça. Ah bien voilà. Il y a presque 80 ans, il y avait un canon ici. Maintenant, quelqu'un l'a remis en garage. Moi je vais pas rentrer là-dedans, c'est dégueulasse. Je crois que vous pouvez voir. Merde. Vous pouvez voir par vous-même, je crois. Ah, il y a une vieille borne d'arcade ici là. Voilà. Ça sent le renfermé. Il y a des gens qui ont jeté leur merde. En tout cas, c'est bien cool. J'espère qu'il y a personne ici. Ah bah là, il y a des vieilles bouteilles. Elles sont vides. Une réserve de bouteilles. Oh waouh! C'est cool ça! Un mur de bouteilles! Mais c'est incroyable! Ouais, regardez. Les gens sont partis il y a peu de temps. Encore un bunker. À la base, hein, sur la carte, c'est marqué qu'il y en a 3. Là, je vais déjà croiser plus que 3. Je
je sais pas combien. On peut voir, c'est encore habilité en transformé en petit garage. Alors là, il y a quoi? Une barque. Je vais voir. Voilà. Ah ouais, là c'était bien mis, ils ont mis des portes et tout. Ouais, parce que attends, qu'est-ce que tu veux détruire un bunker comme ça? Ah bon, à mon avis, ouais, il est fermé, il y a un cadenas, alors bon, j'ai pas essayé. Vieille porte. Ouais, ça avait juste un vieux regard dégueu, il n'y a rien d'intéressant ici. Ok, je sais pas ce que c'est. Petit cabanon. Oh, des toilettes. C'est un peu abandonné, je crois que des packs de bouteilles de vin. Enfin bon, bref, ça c'est pas intéressant, mais je veux voir les bunkers là. Regardez, voilà encore des trucs, des vieux tonneaux. Eh bien, ah ouais, là c'est encore un bunker comme on voit, avec une bâche. Bon, la bâche a l'air bien mise. Voilà. Et voilà. Encore la porte du bunker. Celui-là, il est grand aussi quand même. Donc voilà, j'ai fait tous les bunkers de cette région ici. Je vais juste voir le bunker de cet emplacement ici, que j'ai fait en deuxième, celui avec la valise à l'intérieur. Parce que j'ai fait qu'à côté dedans. Voilà, je repasse devant la vieille Citroën Traction. Ah, je suis désolé, mais je trouve ça tellement cool. Regardez, elle s'est pris un truc ici. On peut voir des très vieux sièges. Alors, elle est vraiment toute démontée. Regardez, on peut voir encore le truc qui était attaché au volant ici. C'est dommage, il n'y a plus rien. Il y a deux portes avant qui ont été mises ici. Sinon, ici, elle est encore bien. Voilà, ça c'est vraiment classe. Voilà, on peut voir le moteur devait se mettre ici, ça devait être droit. Là, c'est pris quelque chose. Voilà, c'est vraiment cool, c'est une belle surprise de voir des trucs comme ça. Voilà le bunker que j'avais fait tout à l'heure. J'ai fait juste un côté. Voilà. Alors, je vais vite rentrer. Ah ouais, il a été muré, c'est ça. Ouais, c'est cool ce truc. De vélo, ce que je précise bien, cet endroit ici, la carte de l'état n'affiche que 3 bunkers. Là, j'en ai trouvé 5, 6, quelque chose comme ça. Ça, je crois que c'est quelque chose pour ramasser le lin, quelque chose comme ça. J'ai vu quelque chose, enfin, c'est ce qui ressemble le plus. Donc, dans ce cas, je vais faire le trou ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Pour payer une cage et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations tout aussi cool que celle-là.